Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le mercredi 21 juin 2023. Mais mon Dieu, que cela passe vite, n'est-ce pas? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, eh bien, merci, mon cercle de lumière, de me guider dans mon chemin de vie. Merci, mon cercle de lumière, de me guider dans mon chemin de vie. Merci, mon cercle de lumière, de me guider dans mon chemin de vie. Aujourd'hui, j'ai pigé le doute. Large sujet, n'est-ce pas? Eh bien, il existe deux façons de voir le doute. Oui, deux façons. L'une, quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous, car vous avez un ressenti en lien, eh bien, avec une intuition. Et dans ce cas-là, eh bien, le doute peut être très salutaire. Car il vous permet d'aller plus loin. Il vous permet de creuser certaines situations qui ne vous semblent pas évidentes. Il vous permet de vous interroger et de vous poser des questions qui peuvent vous amener à de vraies prises de conscience. Et dans ce sens, eh bien, cette carte vous encourage à ressentir vos doutes comme des invitations à écouter vos intuitions et vos ressentis, ou comme des appels d'approfondissement d'une situation, car vous n'avez pas les éléments nécessaires pour pouvoir avoir un avis ou pour prendre une décision. Vous n'avez pas tous les éléments. Le monde a aussi évolué car nous avons mis en doute certains dogmes, ça peut être religieux, scientifique, etc., qui nous ont fait avancer. Encore une fois, cette carte, eh bien, elle vous questionne sur des croyances, des dogmes, des certitudes que vous avez besoin de regarder afin de pouvoir les évoluer. Alors, regardons désormais la deuxième façon de voir le doute. Celui-ci peut être aussi la résultante de peur, même des autosabotages qui vous maintiennent eh bien, dans une zone de manque de clarté, de confusion. Avez-vous tendance à douter? Et est-ce que le doute peut parfois devenir méfiance? Eh bien, dans ce cas, ce doute demande toute votre attention car il peut vous faire passer à côté de personnes, de relations, de vraies opportunités dans votre vie que vous auriez eues si le doute n'était pas en vous. Alors si tel est le cas, cette carte vous interroge vraiment sur la nature de vos doutes, sur quoi ils sont fondés. Et elle vous invite à comprendre la véritable source eh bien, de vos doutes. Alors, vos doutes viennent-ils de votre manque de confiance en vous, en la vie, des croyances qui vous maintiennent dans la confusion, ou est-ce qu'ils sont un appel d'approfondissement, de clarté ou l'intuition que quelque chose n'est pas juste pour vous. Faire la différence entre causes possibles n'est parfois pas évident, n'est-ce pas? Vous avez besoin de beaucoup de connaissances, d'écoute de vous-même,
pour pouvoir comprendre le sens profond de ces doutes. Mettre la conscience dans vos doutes est déjà un premier pas, n'est-ce pas, important dans la justesse de vos ressentis. Et si vous prenez conscience que ces doutes viennent des endroits en vous qui ont besoin de lumière, eh bien, faites-vous accompagner afin de mettre la confiance au sein de votre vie. Et vous verrez, cela fera une différence en vous. Vraiment. Alors pour aujourd'hui, vous allez répéter 3 fois. Je fais confiance à mes intuitions et aux ressentis de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Vous dites ça 3 fois. Je termine avec le message des fées. Alors, aujourd'hui, j'ai pigé la Vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ça, c'est le message de la fée que la magie s'opère, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent et moi, je vous embrasse. À demain.